Et ils sont là. Ils sont là. Bonjour YouTube. Comment allez-vous? Bienvenue sur ce live sur The Wind Waker. Là, l'objectif va être de prendre Carlos, de l'emmener je ne sais où pour aller choper les deux derniers morceaux de Triforce et d'aller faire un petit donjon en plus. Et on a un follow de Nebucoro. Bienvenue Nebucoro. On était à Mercantile, on s'est arrêté là. Regardez, il y a un petit Korogu sur le haut du bateau. Ça veut dire quoi le petit Korogu? Ça veut dire qu'on va devoir aller sur notre carte au nord. Et bah le nord c'est à droite. Enfin à tribord plutôt. Le nord est à tribord, c'est logique. Que 3 mois depuis le début. 3 mois depuis le début de quoi? Et yes, The Link qui nous a rejoint. Bonsoir The Link et bonsoir Nebucoro. Nebucoro qui est là aussi. Bienvenue à toi. Allez, on va direction cette île. Et ça va partir pour un donjon. On est chaud bouillant pour du donjon. On va voir si... Je sais pas ce que c'est. Ça va être le donjon du vent, normalement. Donc qui dit donjon du vent dit qu'on va avoir peut-être besoin de notre petit truc au-dessus de la tête, là, notre paravoile. Je sais plus comment il s'appelle, la feuille Mojo, la feuille Korogu. Et salut Ponyo Chae, bienvenue. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et bah décidément, il y a du sub aujourd'hui. C'est Overzeis Ghost qui offre un abonnement à Jotaro Kujio. Merci beaucoup Overzeis pour ce sub offert. Merci infiniment, c'est super gentil de ta part. Et ça commence bien. Ce live commence en toute beauté. En toute beauté. Et en plus, on arrive sur l'île là. Peut-être prendre des petites captures d'écran de temps en temps, histoire de préparer la miniature. Allez, Link est tout chaud. Carlos, tout comme Medoli, pardon, du Moria doit posséder certains pouvoirs. À toi de découvrir lesquels. Utilisez vos efforts dans ce nouveau temple et vous surmonterez les épreuves. Ok. Il est trop mimi, le petit Korok, là. Le petit Korok, c'est trop marrant. Alors. On va se mettre là. On va faire la musique. Haut, haut, bas, droite, gauche, droite. Haut. Yeah. Et Gizmo qui nous rejoint également. Bienvenue Gizmo. J'adore Dumarila. Dumarlia. Il s'appelle Dumarlia le Korok? Peut-être? Je sais pas. Je t'avoue, j'ai pas retenu. Je retiens pas les noms. Je suis désolé pour tous ceux qui ont des noms. Du coup, est-ce que tu vas speedrunner The Love of the Well? Après avoir fait sub 1h20 sur SMO. D'abord, on vise 1h20 sur SMO. Après, je me mets Any Person Breath of the Wild. Mon objectif sur Breath of the Wild, c'est de faire moins de 45 minutes pour faire le jeu. Et quand on aura atteint cet objectif-là, on passera au All Dungeon sur Breath of the Wild. J'ai envie de... la catégorie Any Person, ça m'intéresse pas de ouf. Je la trouve cool. Enfin, je la trouve cool parce que j'aime bien le prélude. Je trouve ça stylé. J'aime bien aussi savoir tuer les ombres de Ganon. J'aimerais bien apprendre à tuer les ombres de Ganon de façon efficace. Le fait de faire un sub 45 minutes, ça m'obligera à maîtriser ça. Et ça va prendre du temps. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Peut-être énormément, peut-être peu de temps. Et coucou Zarweldo, bienvenue à toi. Et salut Zenix Dead, bienvenue à toi aussi. Bienvenue à vous tous. Ah, attendez, le Korogu, faudrait peut-être il est peut-être pote avec nous, non? Il veut pas venir? Il serait pas chaud bouillant pour venir avec nous? Soulevez. Vas-y, on le prend. On l'emmène. Wind Waker est sorti sur Switch? Non, on est sur Wii ou Zelda. Ça m'étonne qu'il sorte sur Switch, hein. Clairement, à moins qu'il s'amuse à... Ça m'étonne rien, clairement. Poser. Alors la musique est peut-être un peu faible. C'est mieux comme ça, non? Attends. Ça fait quoi, ça? Je sais pas quoi faire. Ah. Attends, et si on prend le marteau, peut-être? Le marteau, il m'a l'air intéressant, mais je suis pas sûr. On va tester, hein. Voir ce qui se passe avec le marteau ici. Non, ça fait rien. Ouh! Magicios. Ok. Bon, il est mort. Oh, Matelot navigue sur les flots. Bienvenue, Exelo. Comment ça va? Salut, Drago aussi qui nous a rejoint. Benjamin et Inoxé aussi. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va super. Bah, moi, ça va nickel aussi. Également, ça va très très bien. Ah, je rappelle qu'on est en mode expert sur The Wind Waker. Mode expert, ça veut dire que. Ça veut dire qu'on peut pas se heal. Enfin, on n'a pas de cœur, on trouve jamais de cœur dans le jeu. Et l'autre particularité, c'est que les ennemis tapent deux fois plus fort. J'ai mis le mode expert pour avoir un petit peu de défi, on va dire. Alors, ça c'est bon. On va casser ça. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Ici on a quoi? On a rien. Ah, ça ok, ça c'est la TP qu'on aura besoin de plus tard. Et ça... Il faudrait mettre des insectes là-dedans? J'en ai pas. Alors, faudrait qu'on comprenne ce qu'il faut faire avec ça quand même. Ah, les bottes de plomb, bien sûr! C'est génial! C'est génial! Alors, attendez. Lui, si on le prend, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose avec lui? Est-ce qu'il vole? Il vole, ce con, ou pas?
Attends, on va essayer de monter. Vas-y, je le jette. Oh, ok. Ah bah ça... Bon, c'est pas ouf. Le problème c'est que le Korogu là, il faudrait peut-être qu'on l'ait avec nous. Ah, le vent, il va nous mettre vers le bas par contre. Ok. Bon, il y a un truc à faire avec ça, je pense. Faudrait qu'on coupe le vent. Qui coupe le vent récolte la tempête, je crois. Hop, tu comptes faire quel Zelda après une Waker sûrement Phantom Hourglass. Il va chronologiquement... Oh non. Oh bah non. Chronologiquement, il va bien avec... Ah, il faut que je fasse la marionnettiste. C'est... Je sais plus. Le marionnette, c'est gauche, milieu, droite, milieu. Alors, hop. Encore du travail ? Alors, hop. On va voler peut-être ? Nickel. Alors, est-ce qu'il peut activer le truc, lui, le petit ? GG, petit malin. Oh, c'est trop cool. Il est trop mignon. Hop, tu n'as plus ta pote l'oiseau, là. Non, on a notre pote le Korogu, plutôt, Benjamin. On a fait un petit échange. Hop. Nickel. Ensuite. Voilà. Link, il se prend pour un artiste. Pourquoi artiste ? Qu'est-ce que t'appelles un artiste? Le Lex. Et Romrom qui nous raid, merci pour ton raid Romrom, bienvenue à toi. Et salut Ganondorf aussi et Octalis, coucou à vous. Coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous on est en plein donjon là. Enfin on vient en plein donjon, on est en train de commencer le donjon. Ah, attends, on va les défoncer eux. Avec des flèches je crois, ça pourrait être malin. Et une bonne arme. Ok, c'est bon. Et du vent. Il sème le vent, récolte le tourbillon. D'accord, donc à mon avis, il y a peut-être un bail à faire avec ça. On va essayer de récupérer le Korok d'abord. Hop. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et l'inox est cap payé pour boire de l'eau. On peut boire de l'eau dans le chat. C'est l'heure de l'eau. Et Yasamato qui nous a rejoint. Coucou Yasamato. Rom Rom, elle existe aussi. Bienvenue à vous. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Hop là. Glou glou glou. Et oui, ça boit. Ça boit maximum d'eau. Alors là, lui... Bon, on va poser le Korogu ici, je pense. Voir ce qui va se passer. D'accord. Ce qui va permettre au Korogu de monter. On va voir. J'ai l'impression. Niak, niak. Ah. Peut-être pas. Et si on appuie tous les deux sur le même bouton là, enfin sur deux boutons opposés, il se passe quoi? D'accord, ça bug. Enfin, ça bug pas, mais... Alors attends, et si on met... on met le Korogu ici. Et qu'on pousse ça là. D'accord, ça passe à travers. Ok. Ah là, par exemple, il y a un truc aussi. On va essayer d'observer un petit peu. Ça sent la bombe, ça. Il faudrait peut-être bomber ça, mais comment on pourrait bomber ça? Est-ce qu'on est capable, physiquement, de lancer une bombe aussi haut? Non. 1, 2, 3, 4. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Oh, bah, bon, je pense que ça m'étonnerait que ce soit ça qu'il faille faire. Ça paraît un peu vénère. Descendrai bien ce truc là. Il est mignon ce jeu aussi. Je vais finir par faire tous les Zelda moi. Ah tu vois. Ça c'est bien ça. Ça c'est ce qu'on veut entendre Quenny. C'est exactement ce qu'on veut entendre. Bah, surtout que celui-là il est pas dur à faire. Enfin il est pas dur à faire. Il est sur Wii U aussi. Donc si tu arrives à faire tourner Breath of the Wild sur Wii U, tu feras tourner aussi ce jeu là sans problème. C'est ça qui est agréable. Et Twilight Princess aussi qui est cool. Tu peux tous les faire tourner. Celui-là il est vraiment cool. En vrai celui-ci ressemble beaucoup à Breath of the Wild je trouve. Ah, Breath of the Wild s'est beaucoup inspiré de ce jeu d'un point de vue au niveau de l'exploration, le côté un peu
Enfin, j'aime beaucoup. Enfin, moi, ça, je ressens beaucoup de sensations que j'avais sur Breath of the Wild. Alors, comment on va faire? Il faut que je comprenne ce qui nous attend là. Il faudrait qu'on puisse monter jusqu'en haut avec Link. Et pour monter jusqu'en haut, parce que lui, il est pas capable de faire du vent. Hein. On va voir s'il est capable de faire du vent, en fait. Gauche. Donc, d'accord que Zelda, c'est la meilleure licence de tous les jeux qui existent dans le monde? Je sais pas. J'avoue, j'ai pas testé toutes les licences de tous les jeux qui existent dans le monde, donc je peux pas trop. Je peux pas trop te dire. On lâche. Ensuite, on remet ça à l'endroit, voir ce qui se passe. Hop. Breath of the Wild, c'est beaucoup inspiré de Zelda en vrai. Bah oui, de toute façon. Breath of the Wild, c'est un Zelda, il s'est pas forcément fait inspirer, mais je trouve qu'il y a. Il y a beaucoup de choses. D'un point de vue, le ressenti que t'as en jouant à ces deux jeux est à peu près le même. Enfin, moi, je trouve. Bon, je comprends pas trop ce qu'on est censé faire. Enfin, comment est-ce qu'on est censé faire? Moi, je pense qu'il va falloir grimper Link jusqu'ici. Et pour le monter là, il faudrait... Ça fait pas du vent, ça, non? Non. Aïe. Ah mais attendez, et si je fais du vent ici, se passe quoi? Attends, le fait d'appuyer sur le bouton, il se passe quoi en fait? Ça tourne juste le truc comme ça? Et le fait de faire du vent dessus? J'ai pas trop pigé le concept. Ah, d'accord, ça tue. Je pensais qu'on allait pouvoir grimper grâce à ça, mais non. Alors, et pourtant j'aime énormément Zelda. Perso, il n'y a aucun meilleur jeu. Voilà. Ah, attends, il n'y a aucun meilleur jeu que quoi? Aucun meilleur jeu que... Il n'y a aucun bon jeu dans les Zelda? Oh, on est d'accord, ils sont tous nazes. Surtout le troisième. Non mais je veux dire, de plusieurs Zelda, par exemple de Zelda 1 pour l'exploration, de l'Overworld... Skyward Sword pour le système d'amélioration de base d'items. Et je trouve aussi Wind Waker pour les sanctuaires. Ouais. Bon, il va falloir qu'on réfléchisse avant d'agir. Il va falloir faire du vent là-haut. Pour faire du vent à l'étage, moi je vois une première solution qui serait d'aller à l'étage. Est-ce que je peux aller à l'étage? Comment est-ce qu'on pourrait se retrouver à l'étage? Sachant qu'il y a une porte qui coulisse. La porte qui coulisse là, elle permettrait de faire quoi? Elle permettrait d'atteindre quel stade? Il y a deux cheminées qui ressemblent à des cheminées mais qui n'en sont pas. Et salut Anaïs en tout cas en passant, bienvenue. Ezer Adlord, bienvenue à vous deux. Comment on fait du vent? Il faut vraiment que Link puisse grimper. Ah, attends, si je fais du vent là? Ça m'intrigue quand même, ce truc-là. Et si je reviens en arrière? Non, je vais pas revenir en arrière. Clairement pas, mais... Ok... À mon avis, s'il y a un truc tournant, c'est que forcément, le fait qu'il soit à la verticale, il y a moyen de faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un truc à la verticale? On a accès à rien de plus. Et si je le tourne là encore? Et là-bas, il y a quoi? Je vais vérifier là-bas. Ouais, y'a rien. Je peux faire d'autres salles? Bah je crois pas, non, j'ai pas trouvé d'autres salles. Là je suis bloqué dans celle-ci. Mais bah à mon avis, bah, il va falloir la résoudre, hein, mais je sais pas comment on va faire. C'est un petit peu délicat.
Faut que je comprenne l'intérêt de ça, là. Parce que, bon, on peut le retourner ici, on peut le retourner avec les boutons. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte quoi de pouvoir les retourner avec deux façons différentes? Ça pourrait être utile si on pouvait grimper dessus. Ah, mais on peut escalader! Non? Ah non, on peut pas escalader. On peut pas escalader le grillage, là? Et dans l'autre sens, on peut? On peut pas, hein. D'accord. Ah, peut-être... Non, le grappin, ça marcherait pas. On va essayer d'autres items, en vrai. Le grappin qu'on a... Là, là. Non, ça fait rien. Y'a vraiment rien à grappiner. Ça me paraît intriguant, quand même, ce délire. Et si je remonte là-dessus, là, ça se retourne. Incroyable, ça. On est qu'à la salle 2, hein. Imaginez la salle 3. C'est... Bon, attends, il y a trop de trucs qui m'intriguent. Ça, là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Qu'est-ce que c'est que cette porte qui tourne? Pourquoi on peut faire du vent? Qui récolte le vent emporte la tempête? Et coucou Pamplemousse, c'est Jean Pichet qui est là aussi. Coucou Jean Pichet. Et Majorak qui est là aussi. Coucou à vous trois. Bon, on peut pas mettre des bombes sur les flèches, un truc comme ça? Attends, moi je retente la strat de balancer des bombes là-dessus, là. On va compter au niveau du timing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça a pas cassé, hein. Non, ça n'a pas cassé. Bon, c'est pas la strat. C'est pas la strat, clairement. À moins qu'on puisse la... Oh, si on peut la jeter pendant qu'on saute. Non, on peut pas. Bon, bref. Comment on peut grimper? C'est la mort, ça. Bon, on va remettre le Kourougou là-haut. Je vais essayer de comprendre quand le Kourougou est là-haut. Yeah. Ok. Ah ben regarde, en plus, le pire c'est que la porte elle bloque même pas tout à la verticale. Hein. Elle sert à rien. Enfin, elle sert à rien pour le Kourougou. Le Kourougou il s'en bat les reins de la porte. Il peut passer au-dessus comme il veut. Il peut pas porter des trucs. Non, il y a que le bouton voler avec lui. À quoi ça lui sert de voler? Où est-ce qu'il peut aller? Y a-t-il un endroit qui pourrait l'intéresser? Qu'est-ce qu'il pourrait faire, ce petit con? Bon, il y a aussi encore un autre détail qu'on n'a pas compris ce que c'était. C'était là-bas. On va voir ce que c'est. Ici, là. Il y a Théo Argentin qui nous a rejoint et Rémi Sylvestre. Bienvenue à vous deux. Ça là, il faut quand même comprendre à quoi ça peut servir. Ah. C'est quoi? Bon. D'accord. Bon, on va avancer, hein. Et salut, Pyramide. Bienvenue. Bon, c'était pas... Voilà, je cherchais pas au bon endroit, on va dire. Le Korok. Eh ben, il va aller planter des trucs, hein. Jean Pichet. C'est bizarre, quand même. Bizarre. Hop. Voilà. Bah comment on fait? Merde, je suis allé où là? Ah, j'étais pas trop au bon endroit. Allez, on plante des graines. Ok. Ok. Je comprends pas le concept. Pourquoi planter des arbres?
En plus, c'est vrai que j'ai fait une vanne sur sème le vent et au final, il fallait juste semer des graines. Qui sème des graines récolte l'arbre mojo ou un morceau de l'arbre. Hop. Nickel. On continue. Ok. On a planté 3. On va débloquer un truc. C'est débile, c'est quoi ce... On gagne 2 portes. Ah. C'est bien ce que je... Hop. Mais le compteur de sub a baissé. Bah ouais, quand il y a moins de subs un mois qu'un autre... Quand les subs ont dépassé leur mois, le compteur redescend. Hop. Le donjon Villa Verde. Villa Verde. Ça me rappelle la première transformation dans Majora's Mask. Pas moi. Ah, en mojo. Ah oui, c'est vrai. On est d'accord. Il est où, le con? Il est pas là? Il est en prison, peut-être. Ça se trouve, on va le retrouver plus loin. Salut, j'ai oublié de te dire salut. Eh bah, salut, Time Over. Bienvenue. Hop là. On va essayer d'aller à droite. Ah mais attendez, on peut pas grappiner là-dessus? Ça sert à quoi? Les arbres, ça se trouve, ils servent à quelque chose, non? Non. Ok. Et de l'autre côté, il y a rien. Ok, bon allez, on va tester ici. Ah. Ah. La musique, elle est un peu répétitive. Elle est oppressante, mais un peu... Ah, il est là-haut. Ah. Aïe. Hop là. Hop. Voilà. Ok. Voilà. Nickel. Qu'est-ce qu'il y a de besoin d'autre? C'est tout? Bon. Là, il y aura, à mon avis, beaucoup de vent. Et à mon avis, cette salle, c'est un ventilateur géant qui va nous faire grimper hyper haut. Genre, tout là-haut. Je vois bien ça comme une maison. Ah, par contre, il peut pas sortir, lui. Ah bah, t'inquiète. T'inquiète mon petit, j'ai trouvé la technique. La statue de pierre qui bouge cette entrée a vraiment l'air très lourde. Il faudrait que tu sois aussi lourd que le vénérable arbre mojo pour pouvoir la soulever. Ah, si seulement le vénérable arbre mojo était là. On peut pas la soulever nous. Et si j'avais des bottes de plomb? Non. Et on pensait qu'on peut faire un clip? Genre on se met comme ça là. On peut pas se plaquer? Bon bref, on va pas s'amuser à faire ça, on sait pas faire. Bon, apparemment on peut pas passer, sauf si on tire une flèche pile poil dans le front, comme dans Pokémon. Non. Ok, on n'était pas pile poil dans le front, je pense que c'est pour ça que ça a pas marché. Les bombes. Ok, de 1... Ok, bon ça c'est fait. Hop là. Ok. Ça c'est bon, on est bien. Des bombes. Des bombes. Ah, ils nous ont filé beaucoup de bombes. Est-ce que c'est utile? Je pense pas. Alors comment on est censé faire quelque chose ici? Qu'est-ce que... Ah bah tiens, on va continuer en vrai. Et yo, Rayman Prod, Natman aussi qui nous a rejoint, Révali Bombay, non déjà pris. Bienvenue à vous. Bonjour, tellement content que ça va, même si j'ai pas fini les VOD, je reste quand même. Ah bah bienvenue Natman en tout cas. Là on est en plein dans un donjon. Le donjon du vent, je crois qu'il s'appelle. Ou le temple. Parce que c'est la différence entre un donjon et un temple. Temple c'est pour prier, le donjon c'est pour défoncer des mobs. Donc je pense qu'on est plus dans un donjon. Vas-y, on casse ça. Je vois pas l'intérêt de casser ça, mais... On le fait quand même. Ça marche pas? C'est quoi ce délire? Bah d'accord, ça se casse pas. Oh. Ah là! Découvre le jeu, ouais! Ouais, 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 Majorakits. Pour l'exclamation TWW, si tu veux avoir le résumé du jeu, enfin le résumé que j'ai fait. Alors ça, si on pousse, il se passe quoi?
Ça tourne. Et bah, clairement... Attends, ça donne quoi ça là? Y a pas de trou? Bah du coup, on retourne encore, non? Voilà. Oh là là, on a failli se faire rect! Allez, on monte. On saute. Et on ressaute. Salut Luxy. Bienvenue Luxy. Hop. Là, on en profite pour choper le coffre. Bon, je pense que ça va être un médaillon. Ça m'étonne que ce soit une clé. Hein. J'y crois pas. C'est un pendentif, ouais. Médaillon pendentif. Tu penses quoi du remake de Skyward Sword? Je sais pas, j'y ai jamais joué, Rémi Sylvestre. Hop. Hop là. Yep. Alors. Ah, ça, ça va être utile. Et là, on fait haut, haut, bas, droite, gauche, droite. Mais en avis, on peut pas tant qu'on n'a pas le petit animal avec nous. Alors. Bah, F devrait se faire spoil par son bot car il m'a fait peur. Je t'ai fait peur? Je t'ai fait peur de quoi? Il y a Yare qui a aussi coucou Yare et. Et R8900. Bienvenue. Ok. Bon allez, nous on va grimper. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il faudrait tourner l'angle. Ah, je crois que j'ai un truc. On va là, puis là, et là, on appuie sur le button. Ouh, oh, c'était tordu là. Ok, ça tourne, c'est bien ce que je voulais. Zag zoug, zag zoug, zag zoug, zag zoug. Non, 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 non. Ok, c'est bon. Oula. Oula, il y a un magicien, un magicus. Ok, lui il est mort. Bah on continuerait bien. Il faut que j'économise un maximum d'énergie. Et que je vais aller en récupérer un gros popo là. Allez, hop. Est-ce qu'on irait pas là-bas? Oui, on y va. Allez, hop. 1, 2, 3. Soleil, ok. Les Gorogu égale animaux. Les Gorogu. Les Gorogu. Il s'est fait avoir par la commande prochaine vidéo. Ah, d'accord. Les gueules. Ok, c'est bon, on est full endu. Arrête. Perds pas de l'énergie pour rien, petit Link. Il faudrait un tout petit peu plus d'énergie pour être sûr d'être bien. Un pot. Qu'est-ce qu'il fout là, le pot? Ah bah voilà. Il pouvait pas y avoir un pot s'il y avait pas des milliards de rubis dedans. Ah, on peut pas aller comme ça? Oh les bâtards. Attendez, si on se retourne et qu'on fait des backflips. Et attends, et si on fait une attaque... Ok, c'est bien ce que je voulais. Ensuite... Ah, on peut pas! On est bloqué là. Ah, attends, si je fais ça du coup... Oh, ça a pas marché. Attendez, je suis sûr que ça peut le faire, attendez. Hop. Voilà! Ça c'est du skill! Ça c'est ce qu'on veut voir dans un gameplay. Bon, par contre, on a perdu beaucoup d'endu. Et on en regagne, on est full. Bon, bah let's go. Où? Par là? On vient d'où? On vient de là. Ok, bah du coup, par là. PGM. Allez. Pourquoi il avance à rien, là? C'est quoi ce bail? C'est quoi ce bail sombre? Allez, 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 allez. Ok. Ah, je suis pas visé. Je suis pas du tout visé. Ok. Allez. Allez. Allez, trop. Aïe, 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 Kalamba. C'est bon. Ok, c'est bon. Ensuite. Eh ben, on continue, hein. Let's go en face, hein. T'aimes bien défoncer les mobs à ce que je vois. Oui. Allez, hop.
On se refoule l'endu. Ok. Zelda Mariol qui est là. Coucou Zelda Mariol et Adil BG. Yo, ça va, moi, ça va. Ça va, moi, ça va. Ça va bien, moi aussi, ça va bien. Bienvenue. Alors, des snobs. Moi, je nique des snobs. Tous les snobs que je vois, je les snob. À coup de snobbing. Ok. Oh, ça marche comme ça. Ouh, on a ouvert un étage. Waouh. Un étage. Oh, regardez. Non, regardez pas. Oh si, regardez. Non, regardez pas. Ça là, on peut pas faire un truc? Non. Bizarre. Qu'est-ce qu'on fait nous? Oh, un coffre. Je m'en fous, j'y vais. Hop là, annulé. Allez, de l'endu. On adore ça. On prend. Ça fait beaucoup de son dans ta phrase. Je crée des mots sans faire exprès. On t'appelle le créateur de mots. Faut que j'arrête de parler des fois. Vraiment. On croirait juste un mec qui essaie d'animer, mais au final qui a rien à dire. Du coup, il dit de la merde tout le temps, H24. Ça doit être saoulant au bout d'un moment, regarder des mecs dire des conneries pendant 6 heures, tous les jours, sauf le samedi. Mais quelle débilité! Ouh! On va où? On tue des trucs? Vas-y, on bute des choses. Oh, il s'est pas visé le petit Link. Pas donné à tout le monde le tir à l'arc, hein. Ça doit être bon, hein. Oh, j'ai un peu fail. Toi, t'es mort. Non, t'es vraiment mort. Toi aussi. Là. Ok. Oh, j'ai reçu un truc tombé. Un rubis vert. Intéressant. Oh, il y avait de l'endu là-bas. L'endu, vite. Priorité à l'endu. Yeah. Non. Oui, c'est bon. Là, il nous faudra un nain, mais on l'a plus. On a une clé? On n'a pas de clé. Du coup, on peut pas aller là. Ah, c'est 5000 le nombre max de rubis. Oh, c'est truc. Je pensais que c'était 10 000. Oh, peut-être qu'on aura 10 000 un jour. Bon, allez, on va à la porte là-bas. Ah, le ventilo, il est là. C'est ce qu'on veut voir, ça. Un bon gros ventilo. C'est le donjon du ventilo, on va l'appeler. Le ventilo-jon. Le donjon-tilo. Voilà. Il peut faire deux choses. Il fait du vent et en même temps, il teste l'alcoolémie des gens. Le donjon test. Bon, bref. Ça, j'aimerais bien... J'avais pas testé ça, mais on peut peut-être tester au marteau. Le marteau outard, peut-être qu'il... Non, on est d'accord, ça le fait pas. Hein. Ça l'aurait déjà fait. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et salut, Jedi Forever. Bienvenue. Jedi. Ça me paraît bizarre, cette salle. Je sais pas trop le concept. Et les bombes? Attends, on reteste les bombes quand même. Sur un malentendu, ça peut peut-être passer. Bête, hein. Et ça, est-ce qu'on pourrait y arriver même en faisant un glitch? Moi, je ferais bien un glitch pour essayer d'y arriver, mais ça me paraît un peu vénère quand même. Bon, c'est mort. Bon, bah c'est mort. On se barre. Ok, ça c'est quoi? Ça m'a l'air piquant. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour un coffre. D'accord, on l'aura plus tard. Bah, on est... J'ai comme l'impression d'être bloqué, là. On est d'accord qu'il peut pas sortir, hein. Bah merde. Qu'est-ce qu'il veut faire? On va essayer des strats débiles. Non, ça marche pas, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on remonte? Il faudrait du talent pour remonter, peut-être. C'est ce qui nous manque. Bah, clairement, j'ai l'impression qu'on peut rien faire d'autre que d'aller dans la pièce. Oh. On va faire un skill shot, vous êtes prêts? Quitte à être bloqué dans une pièce, t'imagines? Link complètement paumé dans un donjon, il peut plus sortir. On l'appelle le sniper, Link. Enfin, le sniper qui vise pas bien, hein, mais tu peux quand même t'appeler le sniper quand tu vises mal, hein, clairement. Oh!
Shooted in the Sky. Ça, c'est du skill. On l'appelle le skillé. Link le skillé. Ou Carlos le skillé. Donc ça, ça sert à rien. Ça, là. Non, mais on n'est pas dans Twilight Princess. Hein. On va pas faire du sniper. Ça, par contre, je pige pas. Ça pique. Bon, c'est juste ça, ça pique. Là, il n'y a rien. En dessous, il y a juste des lattes. Hein. Des ventilatêtes. Bon, ça, ça se trouve, fallait pas sauter déjà. Bah, attends, ça, on peut pas y aller, on est d'accord. On a zéro clé. Bah, attends, on teste quand même sur un malentendu. Non, on peut pas. Alors, peut-être dernière strat, ce serait d'aller retourner là-bas, essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Hop là. Salut Sarax, tellement de souvenirs sur GameCube. Ah. Et salut Sanis Prieux, bonjour à toi. Bon. Bon, clairement, faut comprendre à quoi servent ces trucs-là. D'accord. À y trouver the solution. Ils sont sur off les machins. Je sais pas où faut que ça aille, c'est à droite soit à gauche, on va voir. À droite, ok. On peut pas les bouger, ils sont relous. Ah d'accord. Pas moyen de faire un bug. Ils sont automatiquement repoussés. Ça me donne envie de tenter un truc. Attendez. On va tenter un truc. Ah, viens là toi. Hop. À quoi ils peuvent servir eux? On pourrait les animer. Comment on anime des animatronions? Voilà, ça on met là. Ça on prend. Et si on le pose entre les deux, là il se passe quoi? Ah. Pas trop malin ce qu'on vient de faire là. Ok, je sais pas pourquoi je fais ça. Attention. Y'a pas moyen de remonter ici? Ah là-bas, y'a un trou, j'avais pas vu. Bon, on y va. C'est où? C'est juste là? Bon, bah nickel, go. Hein. Et attendez, est-ce qu'on peut tirer un truc qui est sur un truc? Oh, c'est génial! On est en train de déplacer le monde des merveilles. Et bonsoir Mathis. Bienvenue Mathis. OMG, c'est Piki. C'est Piki S. Le qui est, c'est un jeu. C'est un jeu où tu dois trouver qui c'est. Il est où du Morien? Il est du mort dead. Il s'est fait du morier. Hop là. Ok. Link est costaud. Enfin, il est costaud. EAU. Ça fait mal. Ça fait mal au biceps, ça. Voilà. Voilà, on avance. Ah, j'aurais pas dû décaler. Ah, si. Hop là, on redécale de 1 à gauche et on pousse. Allez, Link. Ah, il m'énerve. Avec son bouclier miroir, là, il se la pète. Comme si c'était un PGM, alors que c'est juste un mec normal. On l'appelle Linkus le Normulus. Ça marche bien. Et salut, Maxime VF. Bienvenue à toi. Ok. Ok. Voilà. Non. Ça va s'arrêter les pics. Ils ont intérêt de les arrêter. J'ai pas envie de refaire tout le tour. Ah merci. Vous êtes vraiment sympa. Et ça là, il y a un cadeau ici. Vas-y, on va chercher le cadeau. Ça vous chauffe? Ça va pas être très compliqué à mon avis. Il faut juste trouver un moyen de réveiller les animatronions là. Et pour les réveiller, peut-être qu'il faudrait les placer, je sais pas, moi là. Comment on pourrait réveiller ça? Avec une flèche de glace, non? Ou de flamme?
Bizarre. Ah, peut-être avec... Au gauche, bas, droite. Au gauche, droite. Non, gauche, milieu, droite, milieu. Et il y a Sky qui nous a rejoint et The V-Night. Bienvenue à toi aussi. Bienvenue à vous deux, pardon. Alors, hop. Ok, on descend, on remonte. Ok. Yap, un petit saut. Oh non, je pensais qu'il allait faire un saut au-dessus le Link là, mais non. C'est pas un malin, c'est un mariole. Bon, il reste un coffre à prendre ici, on verra plus tard. On va à la clé qui est juste en face. C'est cool. C'est cool que le mob ne puisse pas être utilisable dès le début. Ça nous évite d'avoir à se trimballer au début du jeu, enfin au niveau du début du donjon. C'est pas faire symétrique, c'est sûr, ça me paraît bizarre. Et c'est le charismatique ça, bienvenue. Moi ce que je trouve bizarre c'est qu'ils aient mis des mobs qui servent à rien en fait, Naokis. Non, c'est qui a dit ça? C'est qui a dit que c'était pour faire symétrique? Ah, un mini-boss. Ok, des boules de mobs. Ok. Arrête! Ah, mais c'est chiant, il est lent! Mais il target pas le boss! Lui il est mort. Ok, lui il est mort. On va choper ça. Ah les gnignignignign, petit con de mort. Oh là là. Allez, t'es mort. C'est bon déjà? Ok. Et il y a DevGun qui est là! Tellement de gros bons souvenirs sur ce jeu. Et bah bienvenue DevGun, j'espère que tu vas bien. Nous en tout cas, on vient de défoncer des mobs morts. Bon, enfin, ils n'étaient pas morts au début, hein, mais maintenant oui. Et du coup ça fait vachement plaisir, j'adore tuer des trucs qui meurent à la fin. vous obtenez le grappin. Le grappin se lance sur les parois, il peut s'allonger ou se rétrécir. Grappin. Oh, c'est cool, il reste encore des items stylés dans le jeu, je me disais bien qu'il y avait besoin de grappin dans le jeu. Pardon, faut que je me calme. On a besoin de ça. Ok. Hop là. Il fallait quoi ici? C'était les bottes des plongues. De plombe. On va te plomber le blombe. Moi ça va... Moi ça va bien. Eh bah tant mieux, DevGun. GG. GG. Comme quoi... Pire donjon. Pire donjon? Moi pour l'instant je l'aime bien. Je l'aime trop cool. Le concept du ventilateur va être super stylé. J'ai hâte qu'il démarre. Mais peut-être qu'il a chié, hein. Peut-être que c'est le pire donjon du monde entier. Ok, bah déjà au moins ça nique ces mobs là. Il est où? Il est là. Allez, go. Il y avait un rubis là-bas. Ah non.
Rubière, vite. Vert. Non, 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 je le veux, je le veux. On a déjà full. On s'en fout. On s'en fout, on n'a pas besoin de rubis. Bon, on remonte, hein, tranquillement. À base de funk it up. Ok. Est-ce qu'on peut aller directement là-bas? Non. Bon, bah, on passe par là. Bah, je comprends à quel point ça va être relou, par contre, de pouvoir grimper comme ça. Vivement que... Vivement qu'il nous file la strat pour pouvoir grimper plus vite. Non, sérieux? On est vraiment dans une problématique de type problématique, là? Toi, t'es mort. Il faut peut-être se mettre plus proche. C'est encore un truc mal fait au niveau des distances. Non? Non, c'est très bien fait. Et on n'a pas le droit d'y monter. D'accord. Ah bah, on va passer par là, alors. Tranquille, frère. Ok. On fait quoi, maintenant? On retourne? Non, on retourne pas. On va là, là. Sur le pic. Le pic à glace. Ah bah... Nous voilà bien embêtés. Qu'est-ce qu'on va du coup faire, nous? Ah, il y a peut-être besoin du grappinage, là. Enfin, pas du grappin, mais du... Est-ce que ça marche? Non. À quoi ça peut bien servir, ces picous? Ces petits pics. Peut-être qu'on tente de la traverser en voile. Et après, on remonte. Peut-être ça. Ça passe! Tranquille, et salut Benjamin. Et bienvenue Spaghetti. Hop. Oh. Ils nous ont mis une strat de strateur. On va strater hein, dans ce donjon. Ah, annulé. Ok. Hop. Bon. J'espère que ça va nous servir à quelque chose de faire ça. Ok. C'est un peu chiant. J'ai pas envie de redescendre en fait. Hein. Et ils me feront pas retourner en bas d'ici tout de suite. Hein. Pas que. Ok. On a quoi d'autre intéressant à zioter ici? Là-bas. Voilà. Bon, ça. Carlos, mets tes bottes avant de faire ça, débile! Mais oui, c'est bon, j'ai compris, il me prend pas pour un débilos. T'es vraiment trop méchant. Le Korgou, il me dit, mais t'es débile, Carlos. Tiens, je vais te donner un tuto, vu que t'es trop con. Et bah voilà, on s'est auto-shooté parce qu'on est trop bête. Bon, nickel. Hop. Bon, on va prendre notre petit... Oh, productif du bonheur. Pff, on a pas besoin de notre truc un peu plus intéressant, nous. Allez, viens avec moi, toi. On va aller faire des trucs, ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me faudrait une carte du donjon. Bon, toi, tu dégages. Nous, on va là-bas, non? Tu pensais qu'on peut y aller là-bas? Je sais même pas si on peut aller là-bas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Oh! Le grappin, si on grappine là, il se passe quoi? On tente? Il fallait utiliser! Attends, et si on le fait avec ça? Avec les bottes de plomb, qu'est-ce qui se passe? Ça les arrache du mur? Est-ce que c'était une bonne idée? On va tout arracher, hein. On va tout cramer, nous. Tant qu'on saura pas pourquoi, on cramera tout. Attends, ça n'attire pas. C'est nous qui nous téléportons. Hein. Ok, un téléporteur. Ça casse. Hein. Non, ça se casse pas. Il a pas de front. C'est des statues sans front, on les appelle. Les No-Front Sky. Les No-Front Statues. Vas-y, on casse tout. Hein. Y'a vraiment rien de caché derrière. Ça sert à quoi? Pourquoi ils ont fait un truc comme ça? Vas-y, on fait cette salle. On appelle le petit. Hop là. Oula, ça bug. Oula, ça bug. Bon, c'est bon. Allez. Meurs pas. Meurs pas, petit gars. Quittez. On récupère. Je sens qu'il va être long, ce donjon. Je sens qu'on va pas y passer 30 secondes. Hop. Merde, j'adore quand il vole. Moi aussi. J'ai l'impression que le Korok avait fait un wind bomb. Un wind bomb? Oh, on est re là. Attendez. Il y a besoin. Alors c'est chiant, on est obligé de changer d'arme à chaque fois. Enfin, là vu la distance du truc, on va pas. Mais tais-toi! Je pense que tu devrais pouvoir planter ton grappin dans l'arbre que j'ai fait pousser, essaye un peu! Attends, on essaiera, on essaiera. Chaque chose dans son temps, mon frère. Ok. Là-bas. Oh!
Bon, il est mort. Encore ? Il a 3 stats ? Oh ! Encore ? Il est invulnérable, il boy lui. Hein. Oh ! C'est bon, il est mort. Ensuite, grappinoge. Non, grappinoge. D'accord, il y a le grap... Ça s'appelle ça comment, là ? Le grappin-griffe. Et ça, c'est le... Le grappin-pas-griffe. Le grappinoche. Attendez, il nous fallait le bot. Ok. Ok. C'est pour ça que j'ai été surpris de voir le grappin. Parce que ça fait 2 grappins dans le même jeu. Hein. Un grappin naze et un grappin de qualité. De qualité x10 même. Est-ce qu'on aura la carte ici? Je verrai bien la carte. On a plus de vie déjà. Ça commence à puer la mort. Bon, c'est bon, on a une strat pour les défoncer. Il aime pas le vent. Il n'aime pas le vent, récolte. Le tempête. Ok. Ok. Bah arrête, viens vers moi. Oh le bâtard. Ah le bâtard. Bon, on va chercher notre pote, on a besoin de lui. Ah, et les mobs ont repop je crois. Je connais bien ce jeu. Le genre de jeu qui s'aime bien remettre des mobs quand ils sont déjà morts. Nanana. Hop là. Le bruit du retrait de la chaîne. Du retrait de la chaîne. On dirait sans qu'il parle. Je comprends rien à ce que tu dis, The Geek Off. Sur les 10 mots que t'as utilisés, j'en comprends que 2. J'en compris bruit et parle. Ah, il y a chaîne aussi. Non, ça fait 3 quand même. Ça fait 3. C'est déjà pas mal. C'est presque un... Ça fait peut-être 10% des mots quand même. Voilà. Ils ont repop. Ils ont repop. Mais pas tous. Ils ont pas tous repop. Il y en a que certains qui ont repop. Ok. Lui là. Il y a un trou là. C'est le trou du cul. Oh. On pourrait remonter si on tombe. C'est bien fait ça. Et il y a Rémi à Almani qui nous a dit bonjour il y a 2 minutes. Et Sankukai. Bienvenue à vous deux. Nia. Ah. Lâcher. Hop. Ah. Ok. Un petit arbuste de qualité plus. Un deuxième arbuste. Faut pas que la tête de mort nous, nous tête de morise. Arrête. Ok. Est-ce qu'on a besoin de tous les arbres? Je pense que oui. Je pense que c'est encore un genre de truc. Si t'as tous les arbres, tu ouvres une porte, un truc comme ça. Oh, il y a une mano. La mano, j'aime pas ça. Faut qu'on se dépêche, faut qu'on se dépêche avant la mano. Vite. Ok, bon. Et Link, maintenant tu te barres. Non. On est mort. Ça l'a buté. Il est où? Oh, je veux pas aller rechercher à l'autre bout du donjon. Hein. C'est bon en fait. Y'a pas besoin d'aller chercher le bout du donjon, je crois. Il est où le petit... Il est là, le petit pote. Ah bah nickel. Je vais demander de moi. Hop là. Nickel. Allez, viens là, toi. Je te prends, je te porte. Je te balance. On va éviter de faire un champ. Oh non, mais sérieux, il est bête à ça. Il est si mauvais. Et merci Cosmix pour ton raid, bienvenue à vous, comment, ça, comment s'est passé ton live? C'était cool? T'as passé un bon live Cosmix? Attends, gauche. Nous on est en plein donjon sur The Legend of Zelda The Wind Waker. Et on contrôle un Korogu. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on pourrait dire là-dessus. Le donjon est plutôt cool, ça se passe plutôt bien. Et il y a Beidoua aussi qui est là, coucou Beidoua. Hop. Bien la venue aux raiders, bien la venue à tous les raiders
de chez Cosmic Soft. T'étais sur quoi? T'étais en judge chatting? En débat? Salut Lush Ketchup, bienvenue à toi aussi. Bah si, on pose ça là. Et ça là. Waouh! Waouh! Wow, on a débloqué trop de trucs! J'ai testé Pokémon Uranium, c'était super, je suis parti dans la grotte, le jeu est super. Uranium, c'est sur quelle console? Et coucou Justine, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Encore un petit bonheur. C'est chiant, on trouve pas de trucs utiles. J'aurais bien aimé des cartes trésors ou des trucs comme ça, moi. Bon, après, c'est bon, on va pas se plaindre parce qu'on trouve des pendentifs, mais. Bon, après, je sais pas à quoi ils servent les pendentifs. Hein. Uranium, c'est un fan game jouable. Ah, d'accord, en plus, jouable sur PC. Le son de son micro dans ses lives. Attends. Uranium. Attends. Mais c'est la génération 3, je crois. Génération 3, je connais même pas, je crois, la troisième génération. Moi je me suis arrêté à la première, comme un quelqu'un qui n'y connaît rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut aller plus haut? Oh, on est déjà hyper haut en fait là. J'irais bien tout en bas moi. Est-ce que c'est le bon moment d'aller tout en bas? Sachant qu'on a galéré à remonter la dernière fois. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Là il y a un petit ventilo. Qui nous emmène, je pense, à la salle du boss ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Oui, on entend très bien quand même. Hein. Il me faudrait. C'est quand même. C'est le seul donjon où ils ont pas mis la carte dès le début. Et c'est plutôt bien vu parce que c'est le genre de donjon où t'as besoin de la carte. Enfin. Dans les autres, bon, la carte, on peut s'en passer, mais là. Clairement, j'aurais bien aimé avoir une carte, moi. Vas-y, on va tout en bas en vrai. Ah, tiens ça. On les a déjà tués, ces trucs-là, non? On a déjà fait ça. Ah, il y avait un truc ici. Attends, on va essayer de refaire cette salle-là. Oh! Qu'est-ce qu'il y aurait à faire ici? Attends, ah oui, d'accord, on va essayer de monter là, voir ce qui se cache. Hop là. Oh, on a un peu fail là. Ok, on remonte. Ok. Et là de l'autre côté, il y aurait le champ avec l'oiseau. Faut aller le chercher. On va faire un champ. Ça va débloquer une partie donjon, je crois. Ça, c'est cool. Heureusement qu'on est revenu ici. Go. On va se faire bouffer par les mobs. C'est où qu'il faut aller? Faut-il qu'on aille? Non! Tombe pas! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là, faut tout refaire. Vas-y, on va très haut. Vas-y, on fait une pause ici. Allez, allez. Voilà, et on va tout en haut. 3000 Korogo. T'as vu? Il est trop stylé, hein. Le Koromimi. Le Mimi Rogu. Ils ont pas vu Link. Il y a un mec en plein milieu là. Ils vont le bouffer. Non, ils l'ont pas bouffé, c'est bon. Ils sont bêtes. Bêtes comme des champeaux. Salut Barnus et Mig. Bienvenue à vous deux. Alors nous, faut qu'on aille de l'autre côté. Alors on va laisser le Korogu ici. On va tuer ça. Ok, on va descendre, on va mettre du vent dans la tempête, attends on va mettre, on reste ici, on met les bottes, on se met dans le bon sens, on fait du vent, on enlève les bottes, on remonte et on va chercher le coloc. Change de sens toi. Ils vont le bouffer, non ils l'ont pas bouffé au final, ça s'est bien passé. Ça passe. Vas-y on fait notre champ. Ok, vas-y on le lance. Peut-être pas malin le lancer. Attendez, on va le poser. Là, le champ, c'est... Baba! Non.
Oh, oh, bas, droite, gauche, droite. Oh, oh, bas, droite, gauche, droite. Ok. On n'a plus de vie. Regardez, on est rouge. Quand on est rouge, c'est que c'est pas bon signe. Na, na, na. De, 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 de. Ok. Grosse chanson. Bon bail, là. Elle est trop cool, cette musique. Ça fait vraiment pirate. Gros pirate. Oh. La musique qui casse les cailloux. C'est genre, faut vraiment sonner dans une sonorité vraiment très mauvaise hein, pour pouvoir réussir à péter des cailloux. Il y en a qui pètent des verres avec leur voix. Link, qui casse des cailloux avec sa... avec son pote le Korok. Oh, ça pue la mort ici. Avec nos trois cœurs. Oh là là. Allez la vie. Victime. Ils se fusillent entre eux, j'ai l'impression, ils sont noobs. Et c'est bon, t'es mort frérot. C'est bon, on a fini. Yeah. Ta 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 ta. Ok, on est bien. On est bien. Oh, le clé du boss. C'est la clé de ce boss. Ça fait plaisir. On a déjà la clé du boss. Il va nous manquer plus que la salle du boss à trouver. Et on sera bien. Et on a déjà perdu quand même un bon paquet de vie. Hein. Ok, bon. La clé du boss. Ça fait 1h02 qu'on est dans le donjon déjà. Enfin, pas dans le donjon, mais ça fait 1h02 qu'on a commencé l'enregistrement de Wind Waker. Et du coup, ça doit faire 57 minutes, je dirais, qu'on est dans le donjon. Environ. Ça fait quand même un beau donjon. Allez, viens là, toi. On y va. Je vous rappelle que pour l'autre donjon, on avait pris... Oh, c'est chiant, il y a trop de mobs. Ça me déplaît. Et on va se mettre là, là. Ok. Gauche, milieu, droite, milieu. Tu es dans quel donjon? Je sais pas, le donjon du vent, je pense qu'il s'appelle Ganondorf. Pourquoi t'essaies de nous trouver pour nous buter? Hein? On te connaît, hein, Ganon. Hein. On te connaît, Ganon. Ton objectif, c'est juste de nous retrouver. Donc, on est dans le donjon de la lave, plutôt. Je vais te dire ça comme ça, vas-y. Rendez-vous dans le donjon de la lave. On va voir si je nous trouve pour nous tuer. Tu l'as la carte, je crois, tout à l'heure, tu disais que tu l'avais pas. J'ai la carte? Ah ouais, putain. Bon, c'est où est le boss? Il reste un truc au premier étage. Et après on va tout en bas et on termine. Putain, on est bientôt arrivé. Bon allez, on va au premier étage. Chercher le coffre qui traîne. Casse-toi toi. Mais j'ai pas envie de trimballer du Moria là ou je sais plus qui. Il est chiant, je l'aime pas. C'est mon meilleur ennemi. Le chant des notes. Milieu. C'est trop beau. Au bas milieu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Vas-y, on les tue. Vas-y, c'est bon. Allez, on va arrêter de déconner. Hop là. Oulala, oulala. Mais ça pique. Mais tue-le. Voilà. Ça donne quoi? Des bombasses. Des fléchasses. On est full flèche, on est full bombe, on est full rubis. Ça sert strictement à rien toutes ces choses. C'est que des choses inutiles dans ce monde de brut. Faut qu'on aille un étage au-dessus, mais c'est beaucoup trop haut. Du coup, on va tout en bas. Allez. De toute façon, j'ai déjà acheté le Korok. Hein. Le Korok, il est déjà en mode, vas-y. Passe d'abord, j'ai peur. Attends, je veux juste aller voir ce qui se passe si on monte là-dessus, là. Ça fait quoi? Ça nous pousse? C'est un pousse-pousse? Ok, bah tiens, il est là. Nickel, on l'a bien acheté, en tout cas. On a zéro clé. Aïe. Ça s'active. Oh, ça va faire mal. Attention, ça fait quoi?
Ok, un ascenseur. Pratique. Bon, il faut qu'on trouve la clé. Et la clé, elle est soit dans la salle qui n'est pas face à nous, mais derrière nous. Ah mince, je me suis trompé. C'est pas ce qu'il fallait faire. Ok, on remonte. C'est cool, c'est bien fait ce truc-là. Et on va là-bas. Ah, quoique, des graines. Vas-y, on plante ça. On jette le monsieur et on fait la musique. Milieu, droite, milieu. Bonsoir, Itouxi et Pacouche. Bienvenue à vous deux. Non, non, plante des graines, toi. Tu fais pas le con. Il peut pas planter de graines parce qu'il y a Link devant. Super. Merci, Link. On te fera toujours confiance. Hop. Retour. Link dégage. On recommence. Tout ça pour un pixel. Dommage. Le sacré pixel, hein. Le pixel de la mort. On l'appelle le Death Pixel. Et on plante. Ah, non, pas comme ça. Comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Voilà. C'est ce qu'on veut voir. Ouh. Qu'est-ce qui va se passer? Un cadeau? Un ventilo? Ça... Quoi, il a tourné que deux pas? C'est vraiment ce qui s'est passé, là? Il a fait que deux... Ah si, c'est bon, il est à fond. D'accord. Bon. On va prendre le petit pote, là, et on va là-bas. Et salut Mathis. Je dois partir, au revoir tout le monde. Salut Mathis. Fais de passe une bonne soirée. Ah, je savais bien. Bah tu vois, il restait bien un coffre ici, on le savait bien. On le savait très très bien. Du fond de notre âme, on le savait. On va peut-être jeter lui là. Attends, on va descendre. Allez, c'était quel bloc? Celui-ci, elle est bonne. Ils sont réveillés. Ah là là. Il faudrait un arc. Celui-ci. Allez, go. Ah, c'est vrai que les... C'est bon, on a fini. On remonte. On va remonter par là, je pense. Ok. Voilà. Des rubis, on s'en fout. On est full. On va le mettre là, le machin. C'est pas Link, c'est Carlos. Tout le monde dit Link, mais c'est illogique. Je m'énerve pour rien. C'est vrai que c'est illogique. Ils sont un peu bêtes hein, dans le chat. Hein. Faut pas leur en vouloir. Des fois, ils disent Link alors qu'il s'appelle Carlos, le héros. Et salut, Spitus. J'ai loupé quoi? T'as loupé le début du live, Spitus. Bienvenue à toi. Hop. Allez, on grimpille. On grimpong. Et je l'ai mis pile poil de côté en espérant que ça fait une bonne strat. Je l'ai mis pile poil à moitié sur le truc pour me mettre sur la partie gauche du truc. Mettre les bottes, les enlever. Et ça, c'est des techniques speedrunner, hein, clairement. Hein. Oh oui, mais bon, des speedrunners qui ne cherchent pas à aller vite, une sorte de slow runner. Bah, on n'a rien gagné. On n'était pas censé gagner quelque chose là? Il est où le coffre qui est là? On l'a eu? Ah, on l'a peut-être déjà eu. Non, il en reste un. Faut qu'on la trouve. Bah merde, me voilà bien embêté. Comment on pourrait choper le coffre? Qu'est-ce qui nous manque à résoudre là? Bon, on remonte. Ça me paraît fichtrement bizarre ce truc. Quelle drôle d'histoire. Quelle drôle d'histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Vas-y, on casse tout. Ah. Non! Pardon. Ah, j'ai le seum de mort. J'ai le seum de mort, il m'a bouffé la cou. Ah là là. Amboulou. Bon, on y retourne. Hein. Ah, il y a du vent. J'ai peut-être hurlé un peu, non? Mes cordes vocales s'en rappellent. Salut, Hippie. Bienvenue, Hippie. C'est quoi, ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? On est déjà venu ici. Ok, let's go. Ah, il y a un ventilo, là. Oui, on l'entend bien. Hein. C'est pas comme s'il s'appelait... Non, j'allais sortir une vanne, mais je l'ai pas trouvé. Du coup, je l'ai pas la dire, parce que j'en ai pas, justement. Bon, on y retourne. Ils sont pas activés ces trucs là. Ah, il faut rentrer dans toutes les sols, dans tous les sols pour avoir tous les trucs, je crois. C'est un bail comme ça.
Bon, ça va être long, ça va être long, ça va être long, mais c'est marrant. J'adore. Ok. On fait la strat de speedrun. Ok, 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 maintenant on tire. Hop là. Non, pas comme ça, comme ça. Voilà. D'ailleurs, je trouve sympa que l'on puisse pas choisir le nom du héros dans Breath of the Wild. Ça ne met plus dans l'histoire. Bah. Ah, pourquoi? Parce que rien ne t'empêche de t'appeler Link, hein, dans... Si tu veux te mettre plus dans l'histoire, tu peux t'appeler Link. Et rien ne t'empêche aussi de... Bah, moi, je trouve ça plus dans l'histoire si tu mets ton vrai pseudo, pas ton vrai nom, non? Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. C'est la première fois que je m'abonne à QLQ sur Twitch et je regrette pas de m'abonner chez... Toi, t'es le meilleur streamer, continue comme ça et ne change ni toi ni la commu des... Eh ben merci beaucoup Natman pour ton sub et ton message qui me fait grandement plaisir, c'est trop gentil. Merci infiniment. Et bah je suis content que ça te plaise en tout cas. Et bah après ne change rien, bien sûr qu'on va changer des trucs, mais ça va être en mieux, t'inquiète pas. Je compte pas ne faire tout le temps la même chose en boucle. On fera des choses en mieux. Crois pas qu'on va rien changer. Hein. Je te rassure tout de suite, il va se passer des trucs de ouf. J'ai rien de prévu là, hein. Je veux pas vous annoncer des fausses choses, mais vous inquiétez pas qu'on va prévoir des trucs de malade. Hein. Je voulais dire ne change pas Emner, mais oui, j'ai compris, c'était juste pour faire une vanne. En tout cas, merci beaucoup, honnêtement. Hop là, nickel. Et merci beaucoup, ça me fait grandement plaisir. Hop, j'ai déjà dit trois fois merci, mais j'arrive jamais à exprimer mon remerciement au niveau de ce que je voudrais exprimer, du coup, bah, je cherche des solutions. Truc de malade. Oui, c'est vrai que, bon, j'ai pas relevé le « je m'abonne à QLQ », mais... Merci pour cet abonnement à QLQ. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Tous les meilleurs abonnements sont les abonnements à QLQ. Largement. Il y a d'autres chaînes de télé qui sont cool, mais QLQ, c'est quand même la meilleure. Salut, mais c'est tu charbonnes Wind Waker? Comment ça, je charbonne? Charbonnier? Voilà. QLQ c'est quelqu'un. QLQ c'est quelqu'un. GG QLQ. Moi je vais garder ça en tant que juste QLQ. T'aurais pas dû me le dire, moi j'aimais bien ce mot QLQ. C'était stylé. Je m'abonne à QLQ. Attends, la prochaine fois je m'abonnerai à QLQ. Wow. Alors soit il fallait juste péter celui-ci pour avoir le coffre, soit il fallait tous les péter. Moi je pense que... Il fallait tous les péter. Il y a de la chance, QLQ, de recevoir un sub. Le sub de QLQ. Enfin, le sub pour QLQ, bien sûr. Voilà. QLQ, le subber. Le subé. Est-ce que c'est une clé? C'est une clé. On a fini le donjon, mais on va pas faire la clé, puisqu'il y a d'autres salles à faire avant, bien sûr. C'est pas une clé. Et c'est une carte au trésor. Bien, quel plaisir. Quel plaisir d'avoir une carte au trésor. On regarde la carte. Il nous reste un coffre, là-bas. On le fera. Il nous reste un coffre au deuxième étage et un coffre au troisième. Bon, pas troisième, deuxième, mais plutôt rez-de-chaussée, premier étage. Vous m'avez compris. Allez, go. Rez-de-chaussée. J'ai pas envie de prendre du Moria. Du coup, on va pas le prendre. C'est quoi ce bruit? Les blobs, ils font ce bruit-là, là? C'est bizarre. Hop. 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 Voilà, tu vas rester là. Et nous, on monte. Ah, dommage. Ah, j'ai plus de vent. J'ai plus de vent. Donc, qui n'a pas de vent n'a pas de tempête. En fait, le vent, il est par intermittence. Ah ouais. C'est du vent par intermittence. Bon bah, attendez. Ok. On va attendre peut-être qu'il... Voilà. Et attention. 3. 2. 1. Attendez, il faut qu'on aille. On est là, faut qu'on aille à l'étage du dessus. Tout droit. Bah, faut qu'on traverse. Attends, go. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Continue comme ça, t'es le meilleur. Eh ben merci beaucoup Spicus pour ton sub. C'est trop gentil, merci infiniment. Là encore pour ton message. Et pour ton sub surtout. C'est son deuxième mois d'abonnement, dont deux mois consécutifs. C'est cool. Et j'ai vu, je sais plus dans quel live j'avais vu ça, mais il y a quelqu'un qui disait le deuxième mois, c'est le mois de la validation.
que le premier mois, bon, tu subs, mais si ça te fait chier, tu resubs pas. Là, au moins 2 mois, ça veut dire que ça t'a vraiment plu. Et du coup, bah, ça me fait encore plus chaud au cœur. Limite, le deuxième mois est encore plus stylé que le premier. Le premier est gravement stylé, hein. Il est ouf sa balle. Mais le deuxième est encore mieux, je pense. Et imaginez le 28e mois, en mode, genre pendant 28 mois, tu t'es dit, ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Je reste encore un mois de plus pour voir si vraiment il me déçoit pas plus tard. Et clairement, ça marche. Ça marche. Et il y a de la déo qui est là aussi. Coucou de la déo. Et Lofim, de la déo et Lofim, bienvenue à vous tous. Comment ça va? Bienvenue Lofim. Personne n'a agi sur mon air, mais n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Oui, non, c'est moi qui me suis trompé. Je me suis un petit peu emporté. Gauche, milieu, droite, milieu. On est bin d'accord. On est bin d'accord, frère. On est d'accord à la binouze. Il est où Link? Il est là, Link. Non, on va tomber. On va tomber. Tranquille. Il est léger comme une lettre. Ah, ah, il est bon. Merci mon petit pote. Allez, viens. On quitte. Allez, viens là. On passe par là, nous. Encore un mot créé, j'adore ça. Créateur de mots depuis 1912. Bah moi, je me sub 2 fois en 3 jours. Tu te souviens? F, je suis glitcheur de Twitch. Ah oui, c'est vrai que t'avais fait ça. T'as un PGM du... Bah, t'as des tricks, quoi. T'as des tricks. Tu le speedrun le... Tu speedrun l'abonnement, toi. Jette, ok. Non! Il vient... Non, mais il est con comme un couillou. Et comme par hasard, il se repop à l'autre bout. Me tue pas, me tue pas! Voilà. Ok. T'as fait un record du monde là. Bon, oh, le record du monde, je pense, c'est sub 1 seconde, je pense. Tu sub 1 seconde. Bon, faut. On se concentre, on se concentre. Et y'a bonjour et au revoir qui nous a rejoint aussi. Coucou, bonjour, au revoir. Comment vas-tu? Yo les gens, nous dit. Bah, yo toi. Soulevez. Là, c'est la porte. Et là, on plante des grenasses. Elles sont où les grenasses à planter? Là-bas. Et bah, plante. Hop là, tu nous embêtes pas. Et wesh, Vivi. Bienvenue, Vivi. Hop là, on plante. Sexy. Oh là là, magicien, j'aime pas ça. Ah, j'aurais pu essayer de gérer la hitbox. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Eh bien, merci infiniment, Spitus, pour les... Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. TMI, Twitch. Bac plus 2, les enfants. TMOTICEH, tag AFE TV. Attends, il y a eu 2... Attends, mais... Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Merci Spitus pour les 5 subs offerts. Et attends, il y a eu un message aussi. Attends, le message, c'est qui? Comment il est arrivé le message? Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. On a Piloutine qui est sub à la chaîne, Simvic aussi, Hippie, Gooplay. Il y a eu que 3 animes là. Il manque des animes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends rien. Gooplay et Aïdou qui sont sub à la chaîne. Merci beaucoup Spitus pour ces 5 subs offerts. Mais attends, pourquoi il y a eu un message de sub? Comment ça s'est passé le message? Il y a un sub que j'ai raté ou quoi? Je crois pas. Ça tombe jamais sur moi. Et bah, si tu en veux un, tu peux te le payer toi-même, Ganondorf, non? Et bah, merci infiniment, Spitus, pour tous ces subs offerts. C'est super gentil de ta part. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et merci. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était bizarre. Il y a eu combien d'alertes? Il n'y en a eu que 3? C'est cadeau. Bah, merci encore. Il y a tellement d'abonnements à Twitch à bug, je pense. Non, je pense pas. T'inquiète pas que Twitch est habitué hein, aux abonnements, t'inquiète pas que... J'ai pas de carte bleue. Et elle... Oui bah du coup tu peux pas, mais... On ne se plaint pas de ne pas avoir de sub, si t'en veux un tu t'en payes un mais... Ça se quémande pas les subs. Hop là. Allez. Ok. Ok, go 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 go. On traverse. Voilà. Allez, encore. 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 Annulé. Nickel. Parfait. Alors, ça passe. Et merci pour ton follow, Vivi. Merci beaucoup. Bienvenue à toi.
Hop là. J'aimerais m'en payer un, hein, mais je peux pas. Bah oui, bah du coup, ne le fais pas. Hein. Pas besoin d'en discuter ici, quoi. Enfin... alors. Hop, hop. Hop là. Mais merci beaucoup. Tu aides la chaîne à se développer et F à se payer des jeux et donc nous divertir. Et bah, ça me paye aussi ma bouffe, hein, Narukis. Hein. Ça me paye pas que les jeux, ça me paye ma bouffe, mon loyer et mon électricité aussi. Et du coup, ma connexion internet, hein, clairement. Mais c'est vrai que... C'est vrai que ça m'aide aussi à payer les jeux, on est d'accord. Mais après... C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas acheté. Si, j'avais acheté. Le dernier jeu que j'ai acheté, c'était... C'était quoi Mario 3D. 3D, non. Je sais plus. 3D World. Attendez, j'ai une clé ou pas? Non, j'ai pas de clé. Par contre, il reste un étage où on va choper la clé ici. Comment que c'est qu'on monte? On monte avec ça. Allez, go, on grimpe. Il a pas assez de mana. Il faut plus de mana. Il y a un peu plus de mana, est-ce que ça suffit? J'en doute. Oh, quoique. Allez, 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 Link! Link! Encore! Est-ce que c'est là qu'il fallait aller? Je sais pas. On n'est pas... Ah, bah si, c'est parfait. Il faut juste traverser la zone, là. Faut aller de l'autre côté. Il faudrait juste un poil plus de manos. Je vais genre 9 mana. Bon, là, c'est mort. Re-F, comment ça va depuis tout à l'heure? Bah, ça va nickel, et toi, Linoxé? Ok. Parfait. Ils me font peur ces mobs. Oh, c'est quoi cette salle? On l'a déjà faite? Ah oui, d'accord, c'est là où on venait. Ok. Y a pas de... Ah, une grosse balle de mana, ça. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Allez, on y va. Encore plus de mana? Encore plus de mana? Encore plus de mana? Encore plus? Non, toujours pas. Non, bah go. Allez, on y est presque. On s'envole, on s'envole. Alors, est-ce qu'on a besoin du petit pote? Je pense que oui. Hein. Ça m'étonne qu'on en ait pas besoin, mais... C'est une salle directe. On va essayer sans, parce que ça m'embêterait de le ramener alors qu'on n'a pas besoin de lui. Mais je pense qu'on va avoir besoin de lui. Ça donne des flèches. Peut-être qu'on aura besoin de flèches. Ok. Tu t'envoles. Eh bah non, il n'y avait pas besoin du pote. Bah, tranquille. Oh bah c'est bon. Ah si, il y aura peut-être besoin du pote là. Nickel! C'est ce qu'on voulait voir ça! Ok. Et la clé! On a la petite clé! Voilà! Bon bah on a fait tous les coffres hein. Celui-ci, celui-ci. Ok, il reste plus que là-bas. Allez c'est parti. Oh regardez, ça ressemble à un instrument de musique. Ah non. J'aurais dit une guitare là, enfin je sais pas si vous voyez mais moi je vois une sorte de... Non, c'est de la merde, c'était pas une bonne remarque. Salut Maxime, 3 ro, bienvenue et Groomly aussi, coucou à vous deux. Et ben nous on va dans le vide, hein. On saute dans le vide. Dans le vide du sujet, allez hop. Ok, maintenant on appelle notre pote. Yeah. Allez saute toi aussi, on est des sauteurs. On s'appelle les sauteurs fous. Le mignon Korugu. Oui, bonjour, ce serait pour annoncer un sub. Et le petit Curia qui offre un sub à Ganondorf. Merci beaucoup, le petit Curia, pour ce sub offert. Merci infiniment. Le petit Ganondorf, après s'être fait engueuler, se reçoit un sub. C'est très gentil de ta part, le petit Curia, de lui avoir offert à Ganondorf. Et merci en tout cas. Merci beaucoup pour ce sub offert. Bon, eh vas-y, il est temps de passer à la popo, hein. Ok. Voilà. On est full tout, et on remet ça, non? Non, c'est pas comme ça que je voulais. C'était ça là, et ça, ce serait plus la feuille. Ok. Nickel. Ok.
On entre? Let's go. Entrons. Non, on l'a déjà fait celle-ci. Je me suis trompé de zone? Ah oui, je me suis carrément trompé de zone. Donc c'est plus à droite qu'il faut aller. Ok, go à droite. C'est la version quoi celle-ci? Wii U? Ouais, exactement, Lofi. C'est la version Wii U qui est très bonne, je trouve. En tout cas, moi j'aime bien. Bah, elle est où la porte? Ah, elle est en dessous, d'accord. Allez, descends-toi. Dans le Korok. Il va... Ah, j'ai cru qu'il allait se faire bouffer par le... Il allait se faire couper la feuille. MDRF, ta bio, elle est incroyable. J'ai pas vu la bio. Elle est bien? J'ai pas vu. Il faut le grappin. Il faut le grappin. Il faut... Enfin, pas le grappin, mais ça. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard 2. C'est fait rect. Ok, c'est bon. Ensuite, le boss. Il nous faudra un arc. Je suis à fond. J'adore ce combat. Il est trop cool. Il est où? Là-bas. Ok, c'est bon. On a fini. Il en reste encore des mobs? Qu'est-ce qu'il peut rester? Juste ça là, faut tuer? Ils sont chiants à tuer eux. Ok. Encore? C'est bon? On a fini là. On a tout cassé. Ah, il faut qu'on grimpe peut-être. On va utiliser le Grappinos. Il est là. Et on a un follow de Jules92. Bienvenue Jules. Et Rafi qui dit salut, ça va? Ça va et toi Rafi? Et Peck qui dit coucou aussi. Bienvenue à toi aussi. Bienvenue à vous tous. Hein. Clairement, bienvenue. On va grimper encore. Ok. Ok. Voilà. Encore. Là. C'est marrant qu'ils aient fait des trucs... Ah, d'accord. Attendez. Marteau. Là, j'aurais pu juste mettre les bottes de plomb et je crois que ça m'aurait permis de casser le truc direct. Ah non, ça faut juste monter dessus, d'accord. Ok. Voilà. Ouh. Dadou. On a gagné quoi? Pourquoi on a fait ça? C'est pour gagner quoi? L'accès à un coffre peut-être. Faut qu'on trouve un coffre ici. Et quoi d'autre? La sortie. La prochaine porte. La prochaine porte est ouverte mais on n'a pas encore le coffre. Bon, je pense qu'il doit pas être compliqué à avoir le coffre. Hein. Il faudrait à mon avis juste tout casser. Ça en premier. Ça, c'était sûr. Ok, et de 1. Là c'est loin. Non, c'est bon. Ok, il y en a d'autres. Ok. Ok. Il est où lui? Il est là. C'est bon. Il en reste un qui doit être... Ah, c'est bon. Nickel. Bon appétit, R8.
R89000, enfin R8900, pardon. Bonne, mange bien, mange bien. Alors. Une carte Tracer, oh yeah, super. Allez, on y va sans Darunia, Rudania, Duriniu. Bon, allez-y, on y va sans lui, on se barre. On l'entend, il est là. On l'entend pas, non? Je l'entends, moi. Ah, il est là. Il était parti se planquer derrière un bocal. Quel bocalier. Allez, je vais manger. À tout à l'heure si je m'endors pas, car je suis un peu malade. Ah bah, bon courage Anaïs, et mange des bons trucs. Mange de la soupe, des trucs comme ça t'aura mieux après. Ça va peut-être t'aider. En tout cas, rétablis-toi bien. Ouah! Les bombes. Ah. Bon là, il va falloir faire un truc. Comment que c'est petit qu'on va couper ça à nous? Ah d'accord, j'ai compris. Bon attends, déjà on va tuer les mobs. On l'appelle le sniper. C'est chiant. Lui là. On va se mettre ici non? Là là. Voilà. Allez. On sait très bien que la hitbox peut toucher. Voilà. Ok, et l'autre? Voilà, c'est ce qu'on voulait voir. Allez, à toi, du Moria. Heureusement que t'as le carquois à 99, carrément. Bah, c'est pour ça que je spab comme un débile aussi, hein. C'est parce que je sais que j'ai de la place. Il est pas très rapide, le Korokyu. On l'appelle le Korokyute. Il est mignon, mais pas rapide. Il y a Link qui est un peu chelou, là. Qu'est-ce qu'il fout à côté du vide en train de... Il est vraiment très bizarre, ce Link. Il fait vraiment peur. Je trouve un petit peu problématique, ce gars-là. On y va, nous. Ah, il y a une main méchante. On va essayer d'être très rapide pour pas se faire bouffer par la main méchante. Ok. Ok. Voilà. On va casser ça, mais je pense pas que ça serve à quelque chose. Ça m'a marché. Non ! Des flèches, des flèches. Nickel. Des flèches, des flèches. Voilà, on est full flèche. Toujours full flèche. Forever. Un grappingo. Hop là, on évite de remettre, attends, qu'est-ce qu'il fallait? Ça là, et ça là. Bah go. Et coucou Barbato du 78, bienvenue. Comment ça va? Coucou à toi. Bon bah on a fini ce petit, on arrive au boss hein. Ah, peut-être pas encore, il reste une salle. Ah, il reste une sacrée salle quand même. On va rappeler mon autre pote. Bam, l'épée dans la tête du Korok. J'ai même pas vu l'épée dans la tête du Korok. Comme quoi, je regarde pas plus loin que le bout de mon nez, moi, des fois. Allez, on vole. On s'emballe, on s'emballe, on s'emballe, on s'emballe, on s'emballe. Ok, ça touche le plafond, là. Ça s'appelle un Koroflon. Ok, go. Et coucou Barbato, bienvenue à toi aussi. Allez! Non, tu l'as pas fait, mais ça aurait été drôle. Ah merde,
Ah, tu vois, comme quoi, j'ai pas vu un truc qui n'est pas arrivé, donc ça va, tranquille. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Oh, je sens l'amusement là. L'amusement de qualité réduite. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout ça là? Là, le vent il me pousse? D'accord. Bon, on y aura besoin de tout ça apparemment. Ouatatata, ouatatata. Allez encore. Mowgli. J'aime trop cette salle. Moi je la trouve cool aussi, c'est sympa. J'ai essayé de la brain mais j'ai pas trop trouvé de technique pour brain la salle. Ah le vent il nous pousse même comme ça? Sérieux? Oh merde. What? Et re... Attends, qui est là? Brandorf qui s'en va. Salut Ganon. Heureusement que tu nous as pas tués aujourd'hui. Et y'a qui d'autre qui arrive? Et Pakouche qui revient. Rebonsoir Pakouche. Bon, on voit le concept. D'accord, j'ai compris le concept. Ça va juste être un peu long. Y'a pas besoin de 3 blocs en fait? Pourquoi ils en ont mis 3? Ça me paraît bizarre. À moins qu'il y ait un truc que j'ai encore pas compris, mais pour moi il y a besoin que de 2 blocs. Ah, peut-être que ça monte de. Ouais. Même 1, ça pourrait le faire. Hein. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok. On va prendre notre pote. Hein. Bah go. Hein. J'ai pas envie de taper un retour pour rien, du coup on le pousse. Hein. Ok. Ah faut pas que je fasse tomber le bloc en fait. Il faut vraiment que je me cale bien là. Ce serait con de faire une erreur. Voilà. Ok, ok, ok. Ok, on continue, on y est presque. J'aimerais bien qu'il bloque à droite. Voilà, hop. Et juste pour le kiff, on va le pousser. Voilà, juste parce que j'aime bien quand ça fait ça. Et là, pareil. Voilà. Allez, viens mon pote. Même avec le vent qu'il y a, ça veut dire que Link il a des bras de ouf. Hein. Pour arriver à porter le Korogu alors qu'il y a un vent de malade. Voilà. Regardez-moi ça, il perd pas son chapeau. Hein. Son chapeau il doit être sacrément bien accroché. Hein. Un vrai Xelo celui-là. Alors. Quoique même, je crois que le chapeau Xelo normalement il tombe tout le temps. Il tient pas de ouf. Hein. Il a les bracelets de force. Ouais, mais le Korogu, il a peut-être pas le. Il a peut-être pas le. La force. Il tient aussi le Korok. Hein. Oh, oh, bas, droite, gauche, droite, droite. Non. Oh, oh, bas, droite, gauche, droite. Ok. Yeah. Link, il est vraiment baraque. Hein. On l'appelle le Baracos. La baraque à frites, Link, on l'appelle. Bah, attends, pour pas sortir de ses bottes, il est solide aussi. Oui, c'est vrai qu'il sort pas de ses bottes. Normalement, tu te fais éjecter direct. Bon. Oui, c'est Carlos. Bien vu, les Xelis. Ils sont... Ah là là, vous nous induisez tellement en erreur, là.
Ou moi, je vous induis en erreur, je sais pas. En tout cas, il y a plein d'erreurs. Oh, on dirait une salle des coffres, mais non, c'est pas une salle des coffres. Mais comment on ouvre ça déjà? Oh, oh merde. Ah, oh, ça fait une fée en moins. Bon, c'est pas grave. Bah on y va. Hein. On sauvegarde pas avant, ça sert à rien de toute façon. Let's go. Il l'a posé. C'est parti pour le boss, le Corwin nous attend en mode... Ouais, vas-y. Je te regarde, t'inquiète. T'inquiète, frère, je t'aiderai pas, là. Ah. Bon, non, à mon avis, c'est pas une salle de boss, hein. Ça ressemble juste à une énigme classique. Il y a du sable, donc c'est forcément pas un serpent de sable. C'est forcément pas non plus un scorpion de sable. Je pense qu'on va avoir affaire à rien du tout. Ça va être juste un Korogu qui va nous dire « Bravo, tu as gagné. » GG. Ça va pas être géant. Forcément, c'est minuscule. Au moins. C'est un petit Korogu, je pense, qui va pop, là. Vu la petite taille de la salle. Il y a une Triforce, donc c'est forcément le roi d'Hyrule qui va arriver. Il va nous dire bon, félicitations. Tu es dans un sablier géant. Petit, un petit sablier. Et tu n'as que 3 minutes avant que les œufs soient cuits. Belle musique en tout cas. Gros, bien stylé. Ouh. Une Raymanta. Non, c'est quoi? On dirait une Raymanta, mais chelou. Une Raymanta à queue. Ah, oh, c'est dégueulasse. Ah! On a envie de le défoncer. Ouh. Et ça se plante dans le sable. Ok. Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas quoi faire. Ça y est, on est un peu dans la merde. Les bottes de plomb peut-être? Attends, on va les équiper les bottes de plomb. Ok. Soit on lui prend la queue. Non, la flèche. Non, le grappin alors du coup. Ok, pour l'instant ça va. J'ai envie de me heal. Je sais pas si je me heal maintenant ou pas. C'est quoi? Allez. Vise pas ça, vise. Et putain. On s'est fait bouffer, on est mort. C'est mort. On est mort. On n'est pas mort. Vite, pause. Oh. Il y a une popo rouge. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on prend? On est bien, rien qui sert à part. Allez, vise le bon truc, petit con! Mais il est con! Pardon. Il m'énerve! Qu'est-ce qui m'énerve? C'est insupportable qu'ils prennent pas. Qu'ils puissent pas target le bon truc! Vise le bon truc, connard! Voilà.
Ok, ça c'est bon. Allez hop. Allez. Mais putain, j'arrive pas à target, ça m'énerve. Bon, je pense que limite faut même pas target, hein, faut viser comme un PGM en fait. Hein. Oh non. Allez, allez. Allez, allez. Ok. Ok, C'est bon, on l'a eu. Ah yeah! Même pas une mare dans ce donjon. Et coucou, JN! Bienvenue, JN. Les œufs, ça cuit pas forcément 8 minutes, JN, pour ta. Pour ton. Ça dépend des œufs. Les œufs à la coque, par exemple, tu les fais en 3 minutes. Les œufs durs en 10 minutes. Moi, je les fais en 10 minutes. Après, chacun fait la durée qu'il veut, mais. JM, pas. Tous les zones sont pas forcément en 8 minutes. Pour ton information. Bonne soirée au chat et je reviens pas sur mon téléphone. Aux modérateurs qui font un super. Ok, attends. Bonne soirée au chat si je reviens pas sur mon téléphone aux modérateurs qui font un super travail et toi, FKN. J'ai pas compris la phrase, mais en tout cas, ça a l'air d'être gentil. Du coup, merci beaucoup, Cosmix. Et voilà. Tu en penses quoi du boss F? Il était bossu. Non, il était pas bossu, il était tentaculaire. Non, bah non, il n'y a pas de tentacule. Il était... C'était un boss, quoi. Enfin, je pense. Il était bossu, ouais. Bossu. Voilà. C'est ce petit backflip de style. Moi, j'ai compris, mais j'ai rien compris. Mais tant que c'est gentil, moi, ça me va. Si c'était méchant, il était moche. Ah, on est d'accord. Pec, il était moche. Tikorok. Ni. Il nous reste, il est déjà 19h54, il nous reste une petite heure avant de partir sur Breath of the Wild. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Il félicite les modos. Ah bah ça c'est gentil ça. C'est une critique très méchante, une insulte en coréen. Ah merde. Bah ça vaut ban, hein. Ça va être ban. Hein. En gros s'il peut pas utiliser son téléphone, il te souhaite une bonne soirée à toi. Mais je vois pas le rapport avec le téléphone en fait. Mais en tout cas merci pour ta bonne soirée. Et ton téléphone aussi. Bon courage. J'espère qu'il est pas cassé ton téléphone. Une épée de légende qui retrouve une partie de ses pouvoirs. Est-ce que ça va nous permettre de créer un échafaudage? Je vous rappelle qu'on fait tout ça pour choper un échafaudage pour aller sur une île. Elle brille. Elle va... Ouh, elle brille. Il fait trop peur, Link. Il a l'air méchant. Oh. L'épée de légende est ranimée. Cette épée a retrouvé le pouvoir de repousser le mal. Elle est redevenue celle d'antan. Carlos, l'épée de légende a retrouvé le pouvoir de repousser les forces maléfiques. Les anciens ont l'air satisfaits. Merci les anciens. Je vais rester ici puis continuer à prier les dieux. Bah toi au moins tu restes dans une salle qui est vachement plus stylée. Ah non, elle est un peu vite quand même. Hein. Quant à toi, entre dans la lumière qui est derrière toi pour retourner dans le monde au-dessus des cieux. Non, j'ai mal lu. Je vais prier pour que tu sois heureux au combat. Heureux? Merde, j'ai encore mal lu je crois. Il a pas dit ça. Il a pas dit tu vas être heureux au combat. Si, ça se dit. Moi, je te souhaite beaucoup de joie pendant ton combat, que tu sois hyper heureux. Je crois que j'ai mal lu. J'ai forcément mal lu. Il a pas dit ça. Je vois donc la forteresse maudite a déjà. Cet endroit est complètement déserte. Tellement désert que les voix résonnent. Et sur ces trois petits points, on va dire au revoir à YouTube. Au revoir à YouTube, vous allez voir la suite juste après. Et c'est chaud, hein. C'est chaud de pas avoir la suite des trois petits points, mais vous allez savoir ça juste après. Allez, au revoir.